Écartez-vous, je voudrais photographier cet arbre. Ah, mais moi aussi. Alors, il va falloir patienter. Oh oui, je crois que j'ai réussi mon coup, Lionel. Parfait pour l'exposition annuelle. Votre tas de boue n'a pas la moindre chance contre cette merveille. Vous allez vous écarter, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de vous filer une bonne correction. Vous gênez pas. Achevez-moi pendant que vous y êtes. Après tout, c'est bien vous qui avez ruiné ma vie. Vous êtes pitoyable. Oh, vous pouvez pas faire un travail sur l'exposition. Le comité a décidé de ne pas accepter de photos numériques cette année. Quoi ? Quoi ? Je me trompe en envisageant un 30e à 22, Sébastien. Papa, c'est idéal. Il faut que je vous parle, Madrigal. À quoi jouez-vous, voyons ? Il faut que je vous parle de votre exposition. Tu n'as plus que 5 secondes. Vous voulez bien vous pousser ? 3, 2, 1, déclic. Non, c'est pas vrai, Bright. Vous savez parfaitement que je dois exposer la pellicule à 9h très précisément. Qu'est-ce que c'est que cette aberration sur les photos numériques qui ne peuvent pas concourir pour l'exposition ? C'est une décision prise à l'unanimité par le comité. Le comité ? Vous parlez de toutes ces vieilles tantes qui viennent traîner dans votre dépotoir ? Vous ne reconnaîtriez même pas une bonne photo, même si elle vous mordait les fesses. Vous avez vu ça ? Quel comportement ahurissant, ahurissant ! Vous devriez vous asseoir, vous semblez assez remué, mon cher ami. Cet homme est malade. Et pourquoi était-il en colère ? Il ne peut pas présenter des photos numériques pour l'exposition. Bonjour, Sonia. Oh, puisque tu es là, est-ce qu'il y aurait une petite possibilité d'avoir un peu de thé ? Mon cher, fais-le donc toi-même. Je vais faire des courses à Coston. Seb, tu peux venir avec moi ? Non, il ne peut pas. Il m'aide à la boutique. Reste, Sébastien. Et pourquoi t'aider ? À faire quoi ? Tu ne verras pas un seul client. Il faut qu'il apprenne le métier, tu le reconnais. Le métier ?
Je me débrouillerai bien mieux sans lui, en fait. Il n'est d'aucune utilité. Vous n'avez donc rien de mieux à faire qu'à traîner ici toute la journée? Les hommes. Des articles inutiles. Ouf. Bonjour, Philomena. Bonjour, Philly. Tu t'en vas? Oui, papa. Je suis passée de dire au revoir. Tu laisses ton pauvre père se débrouiller tout seul, Philomena? Seulement jusqu'à vendredi. Oh, je peux survivre tout seul, n'est-ce pas, Philly? Comment se passent les cours? Très bien. La reliure. Curieuse occupation à l'heure actuelle. On aurait pu croire que c'était en voie de disparition à l'ère numérique. S'il vous plaît, Edouard, j'ai interdit l'usage de cet horrible mot entre ces murs. Alors je te verrai peut-être vendredi, Sébastien. Possible, je sais pas. Tu veux nous faire un peu de thé? Vous venez dans mon bureau. J'ai pris ma décision, j'ai choisi la photo pour l'affiche de l'exposition. Au revoir, papa. Souhaite-moi bonne chance. C'est une très belle photo, papa, une de tes meilleures. Je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce qu'on sort tous les deux, oui ou non? Parce que je suis un peu perdue. On passe beaucoup de temps ensemble, mais on n'a jamais... Tu sais... Tu ne sembles pas intéressée. J'aimerais te montrer mes photos. Il y a quelqu'un d'autre, Seb? Et c'est sérieux? Tant mieux pour toi. À plus, alors. Mais peut-être à vendredi, hein? Oui, peut-être à vendredi. Vous vous êtes querellé avec Steve Bright, vous aussi, je crois, Lionel. Oui. Pendant que je prenais mon chêne préféré. On a même failli en venir aux mains. Ce n'est pas très facile pour vous, Lionel, de vivre dans le même village que Bright. C'est bien à cause de lui que votre femme est partie en Espagne, n'est-ce pas? Oh, entre nous, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Oh, voilà! J'ai finalement porté mon choix sur deux photos. J'ai le plaisir de vous dire que les deux photographes qui les ont prises sont ici. Édouard, qu'est-ce que je peux dire? Cette photographie est tout ce que j'attendais de votre part. Vous êtes sans doute le meilleur photographe des animaux domestiques du Sud-Est. Merci, Edley. Oui, c'était très serré, je dois l'avouer. Mais finalement, j'ai dû choisir Lionel. Oh, il photographie les arbres de la forêt de Luxton depuis maintenant 20 ans. 22. Et à mon humble avis, cet engagement, ce dévouement ressort dans les moindres détails. Alors voilà la photo de l'affiche de la Société photographique de Luxton pour notre exposition. Félicitations, Lionel. Grandement mérité, cher ami. Merci, Eddie. Regardez ça. Regardez donc cette lueur. Un moment très fugitif qui passe pendant une fraction de seconde au travers du verre le plus fin pour être capturé pour la fin des temps sur une mince couche de nitrate d'argent. Aucune pile, chers amis. Aucune micropuce, ni aucune de ces saletés de pixels. Vous savez ce qui m'est venu à l'esprit? Je vois Tom tous les jours au bureau, mais il n'a jamais rencontré Imogen. Alors nous sommes venus tous les deux vous apporter notre faire-part. Ça nous fera très plaisir de venir, bien sûr. Et nous sommes ravis de pouvoir enfin connaître Imogen, n'est-ce pas, Tom? Oh, oui. Harry Kittredge doit venir aussi. Je te mettrai à sa table. Vous pourrez évoquer le bon vieux temps.
Sur ce, il faut qu'on y aille. On a rendez-vous avec le traiteur. On vous remercie beaucoup pour le verre. Mais je vous en prie. Je suis ravie de vous connaître tous les deux. J'avais tellement entendu parler de vous. Bon. Oh, Tom, tu as reçu mon email ? J'ai un rapport à faire pour une restructuration du bureau pour le grand patron. J'aimerais avoir ton avis. D'accord. L'email, oui, bien sûr. Oui. Ouais, génial. Allez, à plus tard. Allez, ma grande, tu viens ? Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Un email ? Quel email ? Bon, oh, nous en faites pas, je vais régler ça. D'après la rumeur, il est question de tout restructurer au niveau des services. Comment un flic comme Spellman peut trouver le temps d'arrêter des criminels, hein? Il est charmant, ce couple. Bon, ben, il faut que je me sauve. À demain. Au revoir, Ben. Contente de vous avoir vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te mettrai à la table d'Harry Kittredge. Vous pourrez parler de la vieille époque. Harry Kittredge a 75 ans, si ce n'est pas plus. Et Spellman pense manifestement que je suis de la même promo. Dis pas ça, idiot. C'est pas vrai du tout. Mais, et, on peut pas dire que ce soit un perdreau de l'année non plus, hein? Tu sais que c'est son troisième mariage ? On peut parler du triomphe de l'espoir sur l'expérience. Tu as vu ça ? Je crois qu'on devrait y aller. Où ça ? Il y a une exposition qui est organisée par la Société photographique de Luxton. Nous sommes invités à une soirée privée. Demain soir. Faut vraiment y aller ? Ah oui, il faut vraiment. Il faut que tu sortes un peu plus, Tom. J'ai préféré ce genre de photos. Oui, le noir et blanc reste l'œuvre absolue. Et chaque fois que je me trouve en concurrence avec une photo couleur, le public me plébiscite. J'ai toujours eu le réflexe de prendre une photo. Déjà à l'école, quand je voyais une jolie fille, je ne pouvais résister. C'est comme ça que j'ai appris. Pour ces photos, certains trouvent qu'elles sont assez agressives, alors que c'est une sorte de plaisanterie. Plutôt le genre gris, vous voyez. J'ai eu du mal à le pousser à rester comme ça avec ses pattes. Comme vous le voyez ici, il a une de ses griffes qui est accrochée là. Et la pauvre bête n'osait pas bouger, de peur de se faire mal. Il a dit ça. Absolument. Il va bien qu'on fasse quelque chose. C'est de moi, ça. J'ai photographié tous les repas que j'ai pris ces 10 dernières années. Ah, ils sont tous très semblables. Je prends le même repas, un burger végétarien avec petits pois. Cette année, j'ai basculé des petits pois en boîte au surgelé. Le changement de couleur est très émoustillant. Oui, j'imagine. Je peux avoir un autre verre ? Et mesdames et messieurs, mes très chers amis, merci. 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 Soyez les bienvenus à l'exposition annuelle de la Société photographique de Luxton. Il s'agit de la 78e. Cette société a été créée par mon grand-père, Casper Madrigal, dans le but de promouvoir l'art de la photographie sur pellicule, c'est-à-dire des images photographiques produites sans l'intervention de l'informatique. Et vous pouvez voir les meilleurs exemples sur les murs autour de vous. Mesdames et messieurs, je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ? Toutes ces vieilles tentes nous obligeraient à vivre au 12e siècle éternellement. Mais on est au 21e siècle, mes amis. Et les temps changent. C'est pour ça qu'on forme le club des appareils numériques de Luxton dès aujourd'hui. Rejoignez-nous et rejoignez le 21e siècle. Ne manquez pas de tout fait, Bryce. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Cette fêlée des arbres. Fais-moi un petit sourire. Un beau sourire. Dépêchons, voyons. Allez, allez. Et là. Ah,
La batterie est morte. Sa batterie est morte. Je vous jure qu'un jour, vous le paierez. Croyez-moi sur parole. Des articles inutiles. Moi qui croyais que j'allais m'ennuyer, c'est le contraire. C'est quoi ça ? À toi de me le dire. Hé, c'est pas dans notre exposition. Mais d'où ça peut bien sortir ? Qu'est-ce que ça veut dire, Tom ? Alors, qui est cette femme ? Je ne sais pas. C'est maman ? Mais oui, tu as raison. C'est ma femme. Salut les tantes. C'est ça, nous voilà. Je peux vous assurer que cette photo n'a pas été sélectionnée pour notre exposition. J'ai jamais vu cette femme de ma vie et je l'ai encore moins embrassée. Bien sûr que non, cette image a été numériquement manipulée. On voit bien que c'est du numérique. Le manque de profondeur, ce ton de la peau douteux. Regardez les ombres sur votre visage, deux lumières différentes. Ce sont donc deux photos différentes mises l'une sur l'autre par un de ces ordinateurs. Et cette femme est votre épouse ? Oui, elle vit en Espagne maintenant. Elle s'est enfuie avec son prof de yoga. Il a combien ? 15 ans de moins qu'elle, Lionel ? Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour vous faire une vilaine blague, inspecteur. Stevie Bright et ses amis, manifestement. Vous connaissez un de ces débiles ? Non, non, aucun. Qui vous a invité à notre soirée ? Mais je ne sais pas, j'ai supposé que c'était un de tes amis. Et moi, j'ai supposé que c'était un des tiens. Bien, je voudrais vous présenter les excuses de la société photographique de Loxton. Et on dit que la caméra ne ment jamais. La caméra ne ment pas. Mais les hommes, oui. Les hommes, avec leur informatique. Quelqu'un à Loxton a manifestement une dent contre toi. Quelqu'un que tu as dû arrêter un jour. Et c'est le moyen qu'il a trouvé pour se venger. Tom ? Allô ? Joyce, je sais qui est cette femme. Comment tu la connais ? Mais pourquoi tu n'as rien dit ? Parce que je viens à l'instant de la reconnaître. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 30 ans. À l'époque, elle se faisait appeler Marianne Nicholson. Je suis sorti avec elle une ou deux fois. Avant de te connaître. C'est pas tellement ton type de femme. Non, non. Enfin, c'est bien pour ça que ça n'a duré que... Oui ? Un mois environ. En fait, 5 ou 6 mois. Il t'en a fallu du temps pour comprendre que c'était pas ton type. Ah, elle t'a plaqué. Bien, je ne me rappelle pas, ça fait 30... Ah, t'avais bien roulé ta bosse. Non, ce n'est pas drôle. Mais ce qui est drôle, c'est que tu ne m'as jamais parlé d'elle avant. Tu sais, Joyce, il n'y avait pas de quoi en parler. Je peux te poser une question, Tom ? Oui, bien sûr, vas-y. Tu es absolument certain de ne pas avoir vu cette femme depuis 30 ans ? Écoute, je viens de te le dire, je suis absolument sûr. Quelle petite soirée mouvementée. On devrait sortir plus souvent. Quelqu'un, c'est vous, Bright ? Chef.
Étranglé par le fil de son pose maître à première vue. Et il n'y a pas longtemps, j'ajouterai. C'est la femme là-bas qui l'a découvert en promenant son chien. Il s'appelle Lionel Bell. Il vit dans le village avec sa fille. Elle est au courant ? Pas encore. La femme vit à l'étranger. Oui, en Espagne. J'ai parlé à Monsieur Bell avant-hier soir. En voilà une coïncidence. J'ai connu sa femme une fois, il y a bien longtemps. Tiens, tiens, c'est quoi ça ? Quelque chose dans sa bouche. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une carte mémoire d'appareil photo numérique. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais il faut l'imprimer le plus vite possible. Faisons développer aussi la pellicule de cet appareil. Chef. Et maintenant, on va prévenir sa fille. Je te rappelle dès que j'ai lu le nouveau, Tom. Merci, Georges. Allez, on embarque. Donc, vous connaissez la victime ? Oui, c'est exact. En fait, c'était à l'exposition annuelle de la société photographique locale. Il y a eu une espèce d'altercation avec un des visiteurs. À propos de quoi ? Je ne sais pas, ça doit pas être difficile de le savoir. Il y avait 50 autres témoins en plus de moi. La dernière fois que j'ai vu papa, c'était hier matin. J'habite chez des amis à Londres 2 ou 3 nuits par semaine parce que je suis des cours de reliure. Mais je lui ai parlé hier. Quand je suis à Londres, je l'appelle tous les soirs. Comment il vous a semblé ? Bien. Excepté. Excepté quoi ? Quand je suis revenue aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Il a dû recevoir une visite hier soir, mais il ne m'en a pas parlé quand je lui ai téléphoné. Et c'est le genre de choses qu'il me racontait toujours. Il recevait beaucoup de visites ? Non, pas vraiment. Il ne voyait pas tellement de gens. Surtout depuis que maman est partie. Les seuls qu'il continuait à voir, c'était Edley Madrigal et Eddie Carfax de la société photographique. Les seules fois où il était très heureux, c'était quand il était dans la forêt à photographier les arbres. Merci. On peut repasser, vous parler plus tard si vous voulez. Non, ça va. Philomena, votre père m'a paru être plus ou moins en conflit au cours de la soirée privée avec un homme qui s'appelle Bright. Vous savez pourquoi ils se sont disputés ? C'était parce que la société photographique avait banni toutes les photos numériques de l'exposition. Papa a été, disons, très ennuyé que Steve Bright ait gâché ce vernissage. Très bien, Philomena. Ce sera tout pour le moment. Jones, trouvez un des légistes et faites embarquer la bouteille et les verres pour la police scientifique. Bien, chef. Philomena, est-ce que vous êtes toujours en contact avec votre mère ? Non, pas vraiment. Et vous ne l'avez pas vue depuis qu'elle vit en Espagne ? Je n'aime pas trop son compagnon. Vous la connaissiez, vous ? Bien sûr, oui, je l'ai connue, mais il y a très longtemps. Quand vous la connaissiez, elle était heureuse d'après vous ? Je crois qu'elle l'était, oui, mais comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps maintenant. Mes amis m'appellent Philly. Oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Ce Steve Bright habite à la sortie du village sur Coston Road. C'est vrai ? Commençons par avoir une petite conversation avec les amis de Lionel Bell. Allez, venez. Jones, il s'est passé quelque chose de bizarre à cette fameuse soirée privée. La dispute qui a opposé Bell à Bright ? Non, il y avait une photographie. Mais c'était une exposition de photos, chef, non ? Oui, mais il y avait une photo de moi. Et vous étiez beau ? C'était une photo très embarrassante. Lionel était un très bon ami et un des meilleurs photographes de la nature que j'ai eu le plaisir d'apprécier. Et bien qu'il ait gagné sa vie en travaillant comme géomètre, c'était un authentique artiste. Laissez-moi anticiper une de vos questions, inspecteur. Est-ce que Lionel Bell avait des ennemis ? La réponse est on ne peut plus simple et brève. Aucun. Pourtant, il ne semblait pas bien s'entendre avec Steve Bright à cette soirée privée. Une différence d'opinion sur les techniques photographiques. Ne raconte pas n'importe quoi, Edley. Il ne pouvait même pas se voir en peinture. Et ça n'a rien à voir avec la photographie. Chercher la femme, comme on dit.
S'il vous plaît, pourriez-vous être plus précis? Steve Bright courtisait Marion Bell depuis des années. Des cancans, des ragots malsains. Steve Bright court après tout ce qui porte un jupon. Steve est un véritable voyou. Marion me l'a dit elle-même. Entre nous, Marion pensait que tout le monde lui courait après. Elle ne pouvait pas dire bonjour sans penser qu'il y avait un double sens dans la réponse. Vous devez le savoir, vous qui avez été son petit ami jadis. Enfin bref, vous n'insinuez tout de même pas que Steve Bright a quelque chose à voir avec la fin tragique de ce pauvre Lionel. Ce serait plutôt des voyous de Coston, oui. Des bandes de drogués qui hantent la forêt. Oui, oui. Monsieur Carfax, bien entendu, nous allons prendre toutes les possibilités en considération. Bon, monsieur Madrigal, quand avez-vous vu Lionel Bell pour la dernière fois? Dimanche matin, ici, dans la boutique. La société photographique se réunit généralement le dimanche. Et vous, monsieur Carfax? Moi également. Madame Madrigal? Oui, il était ici dimanche avec ces deux-là, se baffrant et buvant jusqu'à m'obliger de partir. J'appréciais beaucoup le pauvre Lionel. C'était quelqu'un de bien. Et il savait faire de très jolies photos, surtout. Il n'était pas comme les autres. Et vous, monsieur? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dimanche aussi. Donc, personne n'a vu Monsieur Bell hier soir? Hier soir? Pourquoi cette question? Parce qu'il a eu un visiteur. Ils ont partagé une bouteille de vin. Mais ce n'était pas moi. Je suis resté chez moi. Moi, j'étais dans la chambre noire en bas. Du vin? Alors, ça ne ressemble pas à Lionel. Une bonne pinte au pub ou un pur malt à la maison, ça, c'était Lionel. Oui, en effet, ça, c'était Lionel. Puisse-t-il reposer en paix. Donc la femme avec qui vous avez été photographié? Je n'ai pas été photographié avec elle. Quelqu'un a fait un montage numérique pour faire croire que j'étais avec elle. Cette femme avec qui vous n'avez pas été photographié? Vous m'aviez pas dit que vous étiez sorti avec elle? Carfax a dit qu'elle a été votre maîtresse? Oui, bon, mais c'est tellement loin tout ça, Jones. Elle était ravissante. Donc, vous tombez sur cette fausse photographie de l'un avec l'autre, et 3 jours plus tard, on assassine son mari. Bizarre comme coïncidence. C'est une façon de le présenter. Une époque terrible, terrible. Le travail peut être notre salut, Sébastien. Absolument, papa. Va dans la chambre noire, Seb. D'après mes calculs, tu as au moins 2 semaines de retard sur les photos de 9h. D'accord. Mais avant, il vaut mieux préparer la commande de lentilles pour le type du Yorkshire. Non, pas la peine d'être fatigué, il a téléphoné hier. Il a dit que... Il a dit que quoi, papa? Il a dit qu'il en avait trouvé un sur Internet. Si on avait un site, papa... Inutile d'en parler! D'accord, d'accord. Jamais! Pas tant qu'il me restera un souffle de vie. Vous plaisantez? Malheureusement, non. Mais qu'est-ce qu'il a eu, une crise cardiaque? On considère la mort de Monsieur Bell comme suspecte. Vous voulez dire qu'il... Une minute, vous croyez pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Nous ne faisons que parler à ceux qu'il connaissait. Et vous et Monsieur Bell, vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde? Oh, je vous en prie. Non, c'est moi qui vous en prie, Monsieur Bright. Parlez-nous de la violente dispute dans la forêt, il y a plusieurs semaines déjà. Et cette confrontation, appelons-la comme ça, à la soirée privée. Il y avait une petite rivalité, bien inoffensive à la société photographique, c'est tout. Je vous le ferai payer un de ces jours, Bell. Croyez-moi sur parole, je vous ai entendu lui dire ça. Ce ne sont pas des paroles insignifiantes pour moi. Je n'ai jamais dit ça, vous avez mal compris, inspecteur. Est-ce que cette rivalité ne repose pas sur autre chose que la photographie, Monsieur Bright? Qu'est-ce que ça veut dire, inspecteur? Est-ce que ça ne viendrait pas plutôt de sa femme? Non, pas encore. Pas encore quoi? Écoutez, Marion flashait pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Donc vous n'avez pas eu de relation avec Madame Bell? Jamais. Elle a 15 ans de plus que moi et elle est bien trop barge. Vous êtes marié?
Non, plus maintenant. Je suis célibataire et j'apprécie chaque minute de ma liberté. Merci d'avoir demandé. Monsieur Bright, ces photographies, ce sont bien des photos numériques? Et comment? Et vous les travaillez avec quoi, sur cet ordinateur? Si je les travaille, je peux leur faire faire des triples sauts en chantant Jérusalem, si je veux. C'est ce que Hedley Madrigal et ses clowns refusent de piger. Il ne s'agit plus de prendre des photos de nos jours. N'importe qui peut prendre une photo. C'est ce qu'on en fait après qui est important. Comme la soi-disant photo de moi et de Marion Bell. Rien à voir avec moi. Monsieur Bright, où étiez-vous, disons, entre 7h et 12h ce matin? À Manchester, pour une foire. Je viens de revenir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'installe des cuisines. Et je me fais un paquet si ça vous intéresse. Et si c'était pas le cas, je ferais ça. Je pourrais devenir pro demain si je voulais. Sans problème. C'est ce que Hedley Madrigal et ses copains ne supportent pas. C'est de la jalousie pure et simple. Vérifiez l'alibi de Manchester. Bien, chef. Il ne nous dit pas tout. Et il a menti sur ce qu'il a dit à Lionel Bell. Je vous jure qu'un jour, vous le paierez. Il l'a dit, je sais, j'ai entendu. Jones? Quoi? Redites ça. D'accord, merci. Ils ont trouvé un agenda sur le corps de Bell. Il y a un nom pour hier soir. Le mystérieux visiteur. Apparemment, oui. Qui était-ce? Vous, chef? Entre, c'est ouvert. Tu as fini? Pas encore. Qu'est-ce que tu photographies? Des biscuits? Tu oublies les photos? Je les ferai plus tard, calme-toi. Mais non, pas question, les photos de 9 heures représentent un document social unique. Un témoignage visuel historique de Loxton Living. La pièce centrale de nos archives. Je sais, je sais. Sébastien. Maintenant que ce pauvre Lionel n'est plus avec nous, je vais encore avoir plus besoin de toi. C'était mon allié, mon seul véritable ami. Pourquoi pas Eddie? Edouard est quelqu'un de bien, je te l'accorde, mais est-ce qu'il est vraiment convaincu? J'ai des doutes. Ta mère, oui, ta mère, l'a vu sortir de la boutique là-bas, à Midsummer Market. Quick Picks? C'était peut-être pour acheter de la pellicule. Mais tu es fou! Quick Picks ne vend pas de pellicule. Il n'y a que du numérique chez eux. Oh, ça me fait beaucoup de peine de le croire. Mais Edouard pourrait avoir succombé. Jones, regardez, regardez. C'est bien son écriture, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'a donné la carte mémoire dans la bouche de Bell? Ça. Ah. Bon. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui c'est et qui a pris tout ça. Ça ne peut pas être Lionel Bell. Il utilise seulement de la pellicule. Elles ont été prises par un appareil numérique d'une très grande qualité. Oui, comme celui de Steve Bright. Oui. Donc Bright est la première personne à interroger. Et la pellicule, l'appareil de Bell? Des arbres. Des arbres. Aucune trace de l'assassin, malheureusement. Bonjour, chers amis. J'ai entendu dire que vous aviez un cas intéressant à Loxton Deeping. On dirait, oui.
Je voudrais bien pouvoir travailler avec vous plutôt que faire ce stupide rapport. Ah ben, mon petit doigt me dit que vous faites la collecte pour le cadeau. Oui. Je peux juste dire que la machine à expresso sera toujours très appréciée. Pardon. Oh, merci. Quoi? Les empreintes digitales sur les verres à vin, ils ont une correspondance? Ça a été rapide. Vous voulez savoir pourquoi ça a été si rapide? Oui, je veux savoir pourquoi ça a été si rapide. Les empreintes sur le verre sont les vôtres. Je présume que vous n'êtes pas allé chez Lionel Bell dimanche soir, chef? Non, bien sûr que non. Ni un autre soir? Non, non. Alors comment se fait-il que vos empreintes soient sur ces verres à vin? Parce que ces verres n'appartiennent pas à Lionel Bell. À l'exposition des photos, ils ont servi du vin. Un chardonnay des plus douteux. Je pense que quelqu'un a subtilisé mon verre. Pourquoi les empreintes de Bell ne sont pas sur l'autre verre? Bell n'appréciait pas trop le vin, rappelez-vous. Vérifiez la bouteille. C'est peut-être le même chardonnay qu'ils ont servi à l'exposition. Tu veux le faire? Il se donne beaucoup de mal, dites donc. La photo bidon, l'agenda, les empreintes. Quelqu'un vous en veut vraiment? Il va falloir que vous en parliez en haut lieu, chef. Oui, je le sais. 3, 2, 1. Déclic. Merci, Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois que le travail continue. Ah, c'est ce que Lionel aurait voulu. Une petite tasse de thé? Je ne dirais pas non. Attends, je vais t'aider. Maman vous a vu sortir de Quick Picks. Oh non. Et elle l'a dit à Edley? Malheureusement. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas commencé. Vous savez quoi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Non, les voilà qui arrivent, ceux-là. Ils arrivent. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a que les flics sont venus m'interroger. Mais comme nous tous, la police mène une enquête sur le meurtre de mon ami Lionel, au cas où vous l'auriez oublié. Ouais, bon, ils ont posé des questions complètement nulles sur moi et Marion Bell. Les détails sordides de votre petite vie privée ne m'intéressent pas. Quelqu'un a manifestement bavé. Et c'est sûrement l'un de vous. C'est de l'histoire ancienne. Alors à l'avenir, vous n'en parlerez pas, c'est clair? C'est vrai pour tous. Je n'aime pas trop me faire sermonner et intimider sous mon toit. Alors vous allez sortir, et vite. Faut pas vous énerver comme ça. Sébastien, tu veux les raccompagner? Je sais que vous aimez bien créer des problèmes, Carfax. Je vous conseille de la boucler. Je pourrais raconter des tas de trucs sur vous. Sur toi aussi, Seb. Est-ce que c'est le nouveau D2X? Ouais. Tiens, regarde. 12-22 mégapixels. 12-22 mégapixels. La résolution est inimaginable. Je te le prête pour la journée. Allez. Sébastien. Vaut mieux que vous partiez. Tu crois qu'ils vont oser te retirer l'enquête?
Oui, sans doute, étant donné les circonstances, ils n'ont pas trop le choix. Mais tu n'es pas un suspect. Non, non, bien sûr, je ne suis pas un suspect. Tu as des nouvelles de Marion Bell? Non, aucune. On a essayé de l'appeler à Malaga. Il n'y a pas de réponse. C'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Cher monsieur et madame Barnaby, comme à tous nos clients importants, nous aimerions vous faire profiter d'une offre spéciale. Ça vient de l'hôtel Golden Hyde. Tu y es déjà allé? Non. Ben moi non plus. Alors comment peut-on être des clients importants? C'est sûrement un coup de pub. Ah, ça doit être Jones. Bon, j'y vais. Finis ton café. Deux repas de fête pour le prix d'un. Peut-être qu'on devrait y aller. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jones. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas vous plaire. Qu'est-ce qui va pas me plaire? Spellman prend la direction de l'enquête. Spellman? C'est grave à ce point? Spellman est un bureaucrate, un gratte-papier, un vague petit comptable. Oui, il manque un peu d'expérience, c'est possible. Quoi, comment ça? Il manque un peu d'expérience? Ouais, enfin bref, vous devez le voir à 10h. Faut y aller. Essaye de garder ton sang-froid, s'il te plaît. Tom! Tom, qu'est-ce que tu as? Tu viens de me rappeler quelque chose. Tom! Je suis contente de te revoir. Qui c'était? Je n'en ai aucune idée, je t'assure. Et tu n'as pas trouvé ça plutôt curieux d'être embrassé par une femme inconnue dans la rue? Mais elle connaissait mon nom. Et j'ai présumé que c'était une de tes amies. Tu sais que je les confonds toutes. Et tu es absolument sûr que ce n'était pas Marion Bell? Je suis absolument sûr que ce n'était pas Marion Bell. C'était il y a combien de temps? Ça fait 4 ou 5 semaines environ. Qu'est-ce que tu faisais à Midsummer Market? On m'avait téléphoné, on voulait pouvoir me parler d'une mort qui semblait suspecte. Il se trouve que c'était un canular. Vous croyez que vous vous êtes fait piéger? C'était un piège, évidemment. Quelqu'un attendait avec un appareil photo. Et ils ont numériquement remplacé cette femme par Marion Bell. C'est évident, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Enfin, je veux dire, bien sûr, on te croit, n'est-ce pas, Ben? Ah oui. Et je suis sûr que Martin Spellman sera d'accord. Et le saumon est bien sauvage, ce n'est pas de l'élevage. Bien, il faut penser au vin, qu'est-ce que vous avez? Oui. Vous êtes sûr? Oh. Fantastique. Non, vous êtes parfait, merci bien. Au revoir. Les traiteurs, demain, cauchemar. Bon, allez, carte sur table. S'il y a vraiment eu des contacts entre cette ancienne maîtresse et toi, c'est le moment de me le dire. Je n'ai pas vu Marion Bell depuis 34 ans. Parce que si on regarde ça objectivement, ça semble pas très futé. Il y a cette photo de toi et l'ex-maîtresse. Elle est truquée. Je l'ai déjà expliqué. Et tes empreintes sur le verre? Il a presque sûrement été volé au cours de la soirée privée de la société photographique de Luxton. Ton nom dans l'agenda de la victime pour le lendemain soir? Eh bien... quelqu'un a manifestement téléphoné à Bell en se faisant passer pour moi. Tu étais où ce soir-là, au fait, Tom? Chez moi. Avec Joyce? Non, elle était à une réunion de son club littéraire. T'étais tout seul? Dommage. Et le lendemain, le jour du meurtre? J'ai quitté la maison à 8h15, je suis allé à Badger Drift pour y retrouver... l'inspecteur Jones. Badger Drift. C'est à 3 kilomètres à peine de Loxton. Oui, oui, en effet, mais ça suffit, nom d'un chien, Spellman. Il y a peut-être un tueur en série dehors, quelque part, et toi, tu es là à perdre ton temps à jouer avec moi. Il y avait une espèce de conflit opposant Lionel Bell et Steve Bright, et je pense que personne ne s'en sortira indemne. Parlons plutôt de Steve Bright et de ses deux amis, Knox Peters. Ils ont le savoir technique pour fabriquer ce genre de choses. Alors je veux des mandats de perquisition de leur domicile et qu'on les amène ici pour interrogatoire. Ce que tu veux n'est pas recevable, Tom. Tu n'es plus en charge de cette enquête, tu le sais. Tu dois rentrer chez toi et y rester. Tu ne dois parler de cette enquête à personne, même pas à l'inspecteur Jones. Et tous les documents concernés doivent m'être retournés. Tous tes documents, Tom, c'est clair? Oui.
Oh, Tom. On a fini par retrouver le club de sport où Marion Bell travaille. C'est à Malaga. Apparemment, elle a donné sa démission il y a 6 semaines. Son patron a eu l'impression qu'elle voulait revenir en Angleterre. Tu n'en sais pas plus? Non, je ne sais rien du tout. Et étant donné les circonstances, je préférerais qu'on retrouve des relations plus formelles, si vous le permettez. Bien sûr, si c'est ce que vous voulez. Chef. Alors, Spellman apprécie chaque minute de cette situation. Plus pontifiant que jamais. Et je suis assigné à résidence. Quoi ? Oui, c'est pas mal, hein ? Des résultats ? Non, rien. Pas encore. Bright, Knox, Peters, casier judiciaire, vierge. Aucun lien avec vous jusqu'à présent. Continuez à la chercher. Est-ce que je peux prendre ça ? Non. S'il vous plaît. Je parie que Steve Bright sait qui c'est. Bon, Jones, vérifiez que Spellman s'occupe réellement de lui, d'accord ? Je ferai de mon mieux, chef. Entendu. La couleur est un peu pâle ici. Mais je peux intensifier les rouges. Comme ceci. Et les contours sont un peu flous sur les pourtours. Je perds des détails. Mais la beauté de tout ceci et la technique va nous sauver. Tout ce que j'ai à faire, c'est... Non, Imogène. Imogène, as-tu la moindre idée du prix de ces canvases ? Non. Non, 2 par personne au maximum. Encore un étranglement. Notez bien ça. Tenez. Le bar va être gratuit. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Mais t'as jamais rendu compte que la photographie pouvait être un passe-temps dangereux ? Non. Quel est son problème ? Il organise son mariage. Non, ça m'est égal que ce soit les plus anciens amis de ta mère, ma chérie. Ils ne s'asseoiront pas à notre table, un point c'est tout. Tom est toujours mal fichu ? On peut dire ça, oui. Il loupe une belle affaire. Ben, vous ne l'avez pas encore déplacé ? Je comprends pourquoi ces enquêtes coûtent une fortune. Trop de monde reste planté sans rien faire. J'ai pensé que vous aimeriez jeter un œil d'abord. Je lirai votre rapport. Je sais que j'y trouverai tout ce que j'ai à savoir. Moi, j'aimerais voir à l'intérieur de sa bouche avant qu'on emporte le corps. Pourquoi faire ? Il y avait une carte mémoire dans la bouche de Belle, alors... Peut-être qu'il y a quelque chose. D'accord, pas la peine de disserter là-dessus, allez-y. Ça n'est pas une carte mémoire, cette fois-ci. C'est plus traditionnel. Une pellicule argentique en noir et blanc. Rien à voir avec Bright. Je vais la faire développer, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, bien sûr. Et il y a peut-être quelque chose aussi sur cet agenda. Alors faites-le emporter, je n'ai pas envie de vous tenir la main 24 heures sur 24 comme le fait Barnaby. Spellman. J'espère que Tom va vite guérir. Chérie, je n'ai pas crié. Mais non. Moi aussi. Pourquoi dis-tu ça ?
sera encore là à Noël à ce rythme. Non, je le ferai, absolument. Absolument, oui. Une petite seconde, s'il vous plaît. Peterson, vous allez lui dire de prendre son poste. Entendu. Et pas encore petit déjeuner. John, une quinzaine de minutes. Oui, Jones. Bright est mort, chef. Oui, je sais. Vous savez? Comment est-il mort? Ça a tout l'air d'un étranglement. Il avait un rouleau de pellicule dans la bouche. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a dessus. Il y a une sorte de studio dans la maison de Bright, juste derrière. Je crois que les photos ont été prises là. Vous vous rappelez le canapé sur lequel elle était allongée? Oui. Il y en a un semblable ici. Et j'ai trouvé une botte comme celle sur la photo. Ben! Faut mieux raccrocher, je crois que vous êtes demandé. Vous êtes où, là? Dans mon jardin. Ah, oh, il y en a quand du Paul. Jones? Où êtes-vous? Je crois que c'est l'endroit où on a pris les photos de la fille, monsieur. Ah oui. Quelle fille? La blonde. Sur la carte à mémoire, monsieur. Celle qu'on a trouvée dans la bouche de Belle. Ah. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon père? Oh, je ne sais pas, peut-être rien. Mon père ne s'intéressait qu'aux photos en noir et blanc et il ne photographiait pas les gens. Mais vous connaissez cette femme, vous savez qui c'est? Non, aucune idée. Bien. Philly, est-ce que nous pouvons évoquer l'époque où vos parents se sont séparés? Allez-y. Est-ce que ça avait quelque chose à voir, même de loin, avec Steve Bright? Steve Bright? Jamais. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a laissé entendre que Steve Bright avait dragué votre mère. Maman croyait que tous les hommes qu'elle voyait étaient amoureux d'elle. D'accord, c'est une très jolie femme. Quand elle était jeune, elle devait même être fabuleuse. Oui, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'était un fantasme. Ça rendait papa malade. Elle nous a quittés, puis elle est revenue et repartie. Elle ne pouvait pas vivre avec lui et ne pouvait pas vivre sans non plus. Seb dit que c'est un mal moderne. Quel mal? L'insatisfaction chronique. Ah, oui, il a raison. Bon, Philly, quand je vous ai demandé l'autre jour si vous aviez vu votre mère depuis son départ en Espagne, vous ne m'avez pas tout de suite donné une réponse. En réalité, vous l'avez revue, n'est-ce pas? Oui. Quand? Ça fait 5 semaines environ, elle est venue en Angleterre. Elle voulait que je demande à papa si elle pouvait revenir à la maison. Et? Je lui ai répondu qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Il a vraiment dit ça? Bien sûr que non. Je ne lui ai même pas dit qu'elle était ici. Parce qu'il aurait répondu oui et on serait revenu à la case départ. Mais aujourd'hui, je ne pense qu'à une chose. Si j'avais voulu lui en parler, papa serait peut-être encore vivant. Excusez-moi. Je suis l'inspecteur chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Est-ce que c'est, disons, votre heure habituelle? Ah, à peu près, oui. Vous connaissiez l'homme qui vivait ici, Monsieur Bell? Ah, le pauvre vieux Lionel. Oui, je le voyais de temps en temps. Il partait se balader avec son appareil photo. Et lundi dernier, vous l'avez vu? Ah, je l'ai vu, oui, effectivement. Vous vous rappelez la direction qu'il a prise? Oui, par là, comme toujours. Merci, merci infiniment. Je vous en prie. Trois. 2. 1. Déclic. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Vous êtes immortalisé dans les annales de la famille Madrigal. Très honoré. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Moi non plus. Non, aucune idée. La photo est nulle, cela dit.
numérique, bien sûr. Regardez ça, Hedley. Vous allez pleurer à chaudes larmes. Oh, c'est monstrueux. Voilà ce que font les ordinateurs, inspecteur. Ils assèchent l'âme même de l'image. Mais la fille, monsieur Madrigal, vous la reconnaissez? La fille? Oh, certainement pas. Demandez à Steve Bright. C'est le genre de photo stupide dont il raffole. Qu'entendez-vous par là, madame Madrigal? Photographier des femmes en tenue légère, voilà ce que j'entends par là. Des raconteurs, ma chérie. Interrogez Steve Bright. Je le ferai volontiers, madame Madrigal, mais monsieur Bright a été découvert privé de vie chez lui ce matin. Non. Donc, ça ne peut pas être lui qui a tué ce pauvre Lionel? Lionel a quitté son domicile à 9h très précise, lundi matin, et je me demandais si vous l'aviez sur votre photo de 9h ce jour-là. Une minute. Lundi... Oh ! J'étais chez le médecin. C'est Sébastien qui a pris la photo lundi dernier. Je ne me rappelle pas avoir vu Lionel. Mais je le verrai peut-être en développant, il passait souvent par là. Et ça me serait bien utile si je pouvais la voir, s'il vous plaît. J'ai prévu de développer les photos demain. Oh, Martin! Quoi? À propos de la machine à café. Qu'est-ce qu'il y a? Quel genre vous préférez? Italienne, je l'ai spécifié sur la liste. Ah, de ces gros modèles, je suppose. Non. Non, le modèle familial. Ah. Nous n'ouvrons pas une cafétéria, nom d'un chien. Ah, je voulais juste vérifier. Veuillez m'excuser. Spellman, j'écoute. Je l'ai déjà dit à Tom, je ne sais pas qui c'est. Tom? Inspecteur Barnaby. Et il faut que je te rappelle. Alors? Rien. Pas de résultat. Au revoir. Mais... Maintenant, messieurs, j'aurais juste quelques questions. Oh, vous faites des photos de mariage. Des photos de mariage? Oui, on va faire un DVD d'une autre, mais des photos seraient bien aussi. Moi, je veux bien vous les faire. Inutile de les imprimer, collez-les sur un CD. On ne fait pas de photos de mariage. Et si on en faisait, on ne les collerait pas sur un CD. Oh. Allez-y, Ben. L'un de vous peut-il identifier cette femme? Aucun de nous ne sait qui c'est. On l'a déjà dit à l'inspecteur Barnaby. Barnaby, quand? Il y a une demi-heure de ça. Sachez que l'inspecteur Barnaby n'est plus en charge de cette enquête. C'est moi. Si Barnaby se présente à nouveau, dites-le-moi tout de suite. Est-ce que c'est clair? Bien. Ben, un mot. Merci. Est-ce que vous étiez au courant? Non, du tout. Il en a un culot, cet homme. Fourrer son nez dans mon enquête. Je crois que c'est une erreur de le mettre sur la touche comme ça. Vous n'avez pas compris? Barnaby fait partie du passé. Ben, ses jours de gloire sont terminés. Si vous voulez avancer, vous suivez mon programme. D'accord, Ben? Thank you.
de te revoir. Chef, ça ne va pas. Si, si. Voilà où la photo a été prise, regardez. La boutique de produits diététiques, elle est sur la photo. Oui, je vous crois, chef. Et l'inspecteur numérique, est-ce qu'il me croit au moins? Spellman est foudrage. Pourquoi? Il a perdu son ordinateur? Parce que vous avez fourré votre nez dans l'enquête, je le cite. Les photos de la pellicule qui était dans la bouche de Brett. Encore elle? On me dit qu'elles ont été prises avec un appareil semblable à celui de Bell. Dire que je croyais qu'il préférait les arbres. Je crois que le film et la carte mémoire ont été placés là à notre intention. L'assassin veut nous faire croire que Bright et Bell ont photographié cette femme. Il s'est passé quelque chose entre les Bell et Steve Bright. D'après certains, Marion courait après Bright et d'après d'autres, Bright courait après Marion. Aucune importance. Marion s'est retrouvée en Espagne et l'épouse de Bright a divorcé. Fin de l'histoire. Jusqu'à il y a 5 semaines quand Marion Bell est réapparue en Angleterre. Quoi? Je l'ai découvert quand je fourrais mon nez dans son enquête. Elle voulait que Lionel la reprenne près de lui. Philly a refusé au nom de son père. Vous croyez que Marion l'a tué, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas gardé une dent contre vous. Jones, je me suis conduit impeccablement pendant toutes nos trop brèves rencontres. Quel que soit le meurtrier, manifestement, il veut se venger de vous. Oui, je le sais. Non, vous savez pas tout. Il y avait votre nom sur l'agenda de Brett. Apparemment, vous aviez rendez-vous avec lui le soir où il a été tué. C'est elle. C'est la femme. Pardon, excusez-moi. Mais c'est jour de marché, j'y viens toutes les semaines. Je l'ai perdu. Qui ça? Aucune importance. Qui c'était? La blonde? Ça n'a aucune importance. Il faut le raccompagner, madame Barnaby. Faites-moi plaisir, chef. Ne vous approchez plus de Luxton et j'essaierai d'empêcher Spellman de vous pourrir la vie. Allez, viens, je t'ai réservé une petite soirée spéciale pour toi. Quoi? À plus tard. Oui. À plus tard. Un dîner à l'hôtel Golden Hind. On a reçu un autre bon par la poste. Le champagne est offert pour un dîner de gourmet. J'ai vraiment pas envie de dîner de gourmet aujourd'hui. Et quand j'ai appelé pour réserver, on m'a répondu « Voulez-vous votre table habituelle, madame Barnaby ?» J'aime beaucoup celle-là. Elle est très optimiste. Tu vois ce que je veux dire? Et tu manges encore plus. C'est bien ça, Seb. Je suis vraiment désolé pour ton père, tu sais. Merci. Seb, cette personne dont tu m'as parlé, celle avec qui tu sortais, elle n'a jamais existé, n'est-ce pas? Tu l'as inventée pour me repousser. Alors je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus maintenant. D'accord. Je te souhaite bonne chance pour tes photos, Seb. Elles sont géniales. Elles sont vraiment géniales. Bonsoir.
Bonsoir. J'ai fait une réservation pour 8 heures au nom de Barnaby et nous avons reçu ce bon. Barnaby? Oui, Barnaby. S'il vous plaît. Voilà, madame. Merci. Et monsieur. Merci. Donc, c'est notre table habituelle. Très jolie. C'est un piège des publicitaires. Comme appeler une purée écrasée de pommes de terre. J'ai l'intention de passer une très agréable soirée, Tom, quoi qu'il arrive. Oh, une symphonie de la mer. Des poissons musiciens. Excusez-moi, monsieur. J'ai peur de ne pas pouvoir accepter ce bon. Pourquoi ça? Il n'est pas transférable. Mais il n'a pas été transféré, que je sache. Vous nous l'avez envoyé et nous sommes là pour l'utiliser. Il y a manifestement un malentendu. Il est destiné à monsieur et madame Barnaby. Mais nous sommes monsieur et madame Barnaby. Ah, j'en suis certain, madame, mais vous n'êtes pas nos monsieur et madame Barnaby. Monsieur, je voulais vous dire à votre directeur que l'inspecteur chef Barnaby de la police judiciaire de Coston voudrait lui dire deux mots en privé tout de suite, s'il vous plaît. Certainement, monsieur. Bravo, tu as gagné, allons-nous-en. Ce n'est pas la peine de faire un scandale. J'aurais dû deviner que ça allait arriver. Quoi? De fausses photos, de fausses preuves, et maintenant de faux monsieur et madame Barnaby. Autrement dit, ça a un rapport avec l'enquête? Oui, bien sûr, ça a un rapport avec l'enquête. Pourquoi j'ai l'impression que je ne vais pas dîner ce soir? Monsieur et madame Barnaby étaient des clients réguliers jusqu'à il y a 5 ou 6 mois. Ils aimaient beaucoup la grande suite qui donne sur le jardin. Comment payaient-ils? Toujours en liquide. C'est pas très courant de nos jours. Je suis vraiment confus pour tout ceci. Votre adresse est vraisemblablement dans notre base de données quelque part. Elle s'est mélangée avec des autres. Pardon. Barnaby? Monsieur. Ici Sébastien Madrigal de la boutique photographique Madrigal. Il y a 5 ou 6 mois. Je vais développer les photos de 9 heures dont vous m'avez parlé et... Et il faut que je vous dise quelque chose. Désolé. Et c'est quoi, Sébastien? C'est à propos de la blonde sur les photos. Je ne pouvais pas vous dire devant les autres. Maintenant, ce serait bien, inspecteur. Mes parents ne sont pas là. D'accord, je vous rejoins dans 30 minutes. Rien. Je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est de vous offrir un dîner avec nos compliments. Ah, c'est très gentil. Tu as entendu, Tom? Oui, mais on est obligé de filer tout de suite. Nous accepterons votre offre une autre fois. Merci. Allez, tu viens? Alors, vous avez reconnu la blonde sur la photo, c'est ça? Je crois, oui. Bien. Steve Bright et ses copains, Adam Knox et Lee Peters. Cette bande était dans le coup de ces photos douteuses. Ils utilisaient un studio à Coston où ils pouvaient photographier des modèles tellement vulgaires. Enfin bref, Steve avait une liaison avec une des modèles et sa femme l'a découvert. Après le divorce, Steve a installé un studio chez lui et a essayé de faire venir les gens. Vous y êtes allé? Ça, c'est le jour où Lionel a été tué. Est-ce que vous êtes allé à ces séances dans la maison de Bright? Une fois. Écœurant. Tous ces vieux vicieux qui bavent devant une fille qui a les seins nus. Et Lionel Bell, il y est allé lui aussi? Oui. Il était censé les dénoncer à papa, les virer de la société photographique. Mais il y avait cette fille et... Qui? La blonde? Oui.
Lionel a été instantanément obsédé par elle. Mais le hic, c'est que... Steve Bright aussi. Ça, c'est le lendemain du meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Steve a dit à Lionel de laisser tomber, mais lui, il s'en fichait. Alors Steve a dit à Marion que Lionel avait une maîtresse. C'est vrai ? Vous plaisantez ? Jamais. Elle a dit à Lionel d'aller se faire voir et à Steve Bright aussi. Sébastien, est-ce que vous connaissez le nom de cette blonde, oui ou non ? Chantelle, je crois. Et où est-elle aujourd'hui ? Aucune idée. Elle a tout laissé tomber. Rien de surprenant, avec Steve et Lionel qui la harcelaient toujours. Sébastien, je vous remercie de me raconter tout ça. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, mais ma mère et mon père sont bizarres devant ce genre de choses. Vous voulez bien taper très fort sur le tuyau, s'il vous plaît ? Ici ? C'est la photo qui a été prise le jour où Lionel Bell s'est fait assassiner. Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Je date tous les négatifs. Pourquoi ? Parce que Lionel Bell a quitté son domicile à 9h, au moment où le facteur a porté le courrier. Et pourtant, ni l'un ni l'autre n'apparaissent sur la photo. Mon père était chez le médecin. Alors j'ai dû la prendre tout seul. J'étais un peu en retard d'une dizaine de minutes. Ne lui dites pas, il pourrait m'étriper. Non, non, je ne lui dirai pas. Cette blonde, Chantelle, vous ne voyez pas comment je pourrais la trouver ? Eddie Carfax pourrait savoir. Eddie Carfax ? Pourquoi il saurait ? Il est sournois, notre Eddie. Il arrive à avoir un pied dans chaque camp. C'est Eddie qui a commencé les séances photo glamour à Coston. Et c'est lui qui a aidé Steve à engager les modèles. Oh, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais vous poser deux ou trois petites questions, monsieur Carfax. À quel propos ? À propos d'elle. Vous m'avez menti, monsieur. On n'a pas le droit de vous parler, monsieur Barnaby. Mais ça, on... C'est rien, ma chérie, ce n'est rien. Peut-être madame Carfax pourrait-elle me dire qui est cette fille ? D'accord, d'accord. Vous en voulez un peu plus ? Monsieur Carfax, quand Steve Bright a installé le studio dans sa maison, vous l'avez aidé, n'est-ce pas, pour le recrutement des modèles ? Non, je l'ai simplement mis en contact avec Nigel, c'est tout. Nigel ? Nigel Woodley. Il dirige le club de photos de Coston. Très bien. Et comment pourrais-je joindre ce Nigel ? Il tient une boutique Quick Picks à Midsummer Market. Écoutez, cette fille, Chantelle, c'est Nigel qui l'a engagée, d'accord ? Et moi, je lui ai à peine parlé. Et cette aventure aussi entre elle et Lionel et Steve, je ne l'ai découverte qu'après coup. Je vous le jure, inspecteur. Je ne faisais que rendre service à Steve. Sincèrement, je ne suis pas intéressé par ce genre de truc. Non, voilà ce que je fais. Des chats et rien d'autre. Est-ce que ma femme va être au courant de tout ça ? Et aide-les, parce que ce serait pas juste du tout. Je ne faisais que dépanner les autres. Je ne pouvais pas savoir que des gens seraient assassinés. Bonjour, Ben. Bonjour. Il est dans la cuisine. Merci. Merci. Bonjour, Jones. Elle s'appelle Chantelle.
Eddie Carfax nous a menti. Chef... Et je crois savoir comment la trouver. Et cette boutique Quick Picks à Midsummer Market. Le propriétaire est un certain Nigel Woodley. Chef, il y a un problème. Quelqu'un a téléphoné à Spellman et lui a dit que vous étiez à Luxton hier soir. C'est sûrement Eddie Carfax, n'est-ce pas? Qui que ce soit, il a prétendu que vous aviez été agressif et menaçant. Agressif et menaçant? Ça alors? Je suis venu vous conduire auprès de Spellman tout de suite, chef. C'est très sérieux. Qu'est-ce qu'il va faire? M'arrêter, peut-être? Il est tellement en rogne que c'est possible. Bon, si on en arrive là, je n'aurais pas à aller à son mariage. C'est ce que j'aime chez lui. Il voit toujours le bon côté des choses. D'accord, d'accord. J'irai voir la Miss Spellman après avoir eu une conversation avec ce Nigel Woodley. Ne faites pas ça, chef. Ça va compliquer les choses. Ben a peut-être raison. Une demi-heure, c'est tout ce qu'il me faut. Où est ma carte de police? Joyce, tu as vu ma carte de police? Non, désolé. C'est curieux, je l'ai toujours dans ma veste. Eh ben, ça règle tout, alors. Vous ne pourrez pas interroger les gens sans votre carte de police. Vous pouvez le faire pour moi. Une seconde. Appelez Spellman. Faites-le patienter une heure. Je parie que vous trouverez un prétexte. Voyons, ne complique pas tout, Tom. Écoute, quoi qu'il arrive, Spellman va tout faire pour que j'aie le mauvais rôle dans cette affaire. Et quand il se décidera à rendre son rapport tellement attendu sur la restructuration, je serai cantonné à régler la circulation à la sortie des écoles. Et là, tu comprendras comment je peux tout compliquer. Tu n'en reviendras pas. J'en suis convaincue, moi. Très bien. Je vais interroger ce Woodley. Et je repasserai tout de suite ici pour vous emmener. C'est parfait. Bon, Jones, il faut savoir où elle est. Vous le gardez ici. Utilisez la force si c'est nécessaire. Non, ça va être un plaisir. La sortie des écoles. Ouais. Je peux toujours rêver. Est-ce que ça fait partie des célèbres archives Madrigal? Oui, absolument. Toujours au même endroit à 9h chaque matin depuis 70 ans. Et on ne peut pas trouver de vue plus banale du village, même en faisant de gros efforts. Donc, ces deux-là n'ont pas été prises le même jour? Non, deux jours différents. Celle-là a été prise le jour où Belle a été assassinée et celle-ci le lendemain. Pourquoi? Cette voiture. On ne peut se garer qu'une demi-heure la journée. Je sais, j'ai eu une contravention là-bas récemment. Oh, ils ont dû revenir le lendemain et ils se sont garés à la même place. Bon, je vais refaire du café. Exactement. À la même place. Alors ça, j'en doute. Mike, c'est Tom Barnaby. J'ai un service à te demander. C'est pour un numéro minéralogique. Je voudrais voir Nigel Woodley. Si vous vendez quelque chose, mon vieux, faut prendre rendez-vous. Je suis l'inspecteur Jones, police judiciaire de Coston. C'est pour la conduite en état d'ivresse? Non. C'est pour elle. Vous la reconnaissez? Je l'ai jamais vue de ma vie. Alors on peut reparler de la conduite en état d'ivresse. Oh, attendez une minute. Ce serait Chantelle? Ah oui, c'est bien elle. Je l'avais pas reconnue avec sa perruque. C'est une perruque? Ah oui, bien sûr, voyons. Elle est aussi blonde que moi. Allez-y, parlez-moi d'elle. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a joué les modèles pour le club de photos de Coston, que j'avais dirigé. Et puis un copain, Eddie Carfax, l'a débauchée. Et j'ai plus une nouvelle. Est-ce que vous avez des photos d'elle sans cette perruque? Je peux aller jeter un œil. Ah, en voilà une. La fête de Noël du club de Coston en 2004. Ça, c'est Chantelle. C'est pas vrai. Vous la connaissez? Ouais. Et je le connais, lui aussi. C'est Sébastien Madrigal, un type bizarre. Le fils de ce malade qui déteste le numérique. Sébastien est venu quelques fois à votre club? Deux ou trois fois seulement. J'ai été obligé de le virer. Pourquoi? Il filait la trouille aux filles, en particulier à Chantelle. Je crois qu'il était fou d'elle. Il a commencé à la suivre partout, ce dingue. Vous m'imprimez une de ces photos, s'il vous plaît? Bien sûr. Il y avait un truc bizarre chez ce Sébastien. Il donnait la chair de poule.
Bonjour. Il y a quelqu'un ? Vous avez apporté l'ordinateur ? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Ça concerne l'inspecteur-chef Barnaby et Marion Bell. Je vous écoute. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour ce renseignement. Au revoir. La propriétaire de la voiture était à Loxton dans la matinée de mardi. Elle se rappelle très bien s'être garée tout près de la boutique Madrigal, mais elle n'y était certainement pas lundi matin. En fait, le père de Sébastien est allé chez le médecin lundi matin. Mardi, il était au lit. Donc Sébastien s'est retrouvé seul pendant les deux jours. Et il a dû prendre ces deux photos le mardi matin. Parce qu'il avait loupé le lundi. Alors, où était-il lundi matin ? C'est sûrement Ben. Dans la forêt ? Pourquoi pas ? Assassinant Lionel Bell. Et la question est, pourquoi ? Pour les produits chimiques, au cas où vous seriez éclaboussé. Non, bonne idée. Ce costume vaut une fortune. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement entre Barnaby et Marion Bell ? J'ai un CD que je voudrais vous montrer. C'est pour ça que j'avais besoin de votre ordinateur. Mon père refuse d'en avoir un à la maison. Ah. Si on n'a pas ce genre de choses, on n'est plus dans le coup. Dites-lui donc de se mettre à la page. Je lui dis, je n'arrête pas. Jetez un coup d'œil là-dessus. Enlevez la perruque blonde, et qu'est-ce que nous avons ? Oh oui, tiens, tiens, tiens. Joyce, regarde ça. C'est la fiancée de Martin Spellman. C'est Imogen. Et là, c'est Sébastien Madrigal caché derrière. Apparemment, il harcelait Imogen et il avait eu un avertissement. J'ai seulement la boîte vocale de Spellman. Essayez le bureau. Donc Sébastien a peut-être tué Lionel et Steven parce qu'ils avaient eux aussi des vues sur Imogen. Et en laissant des photos sur les cadavres, il envoyait un message. Ne la touchez pas. Il est quoi ? Vous êtes sûr ? D'accord, merci. Il est allé à la boutique des Madrigal. Arrêtez Sébastien ? Non. Pour vous voir. Quelqu'un s'est emmêlé les pinceaux. Où est ma carte de police ? C'est pour les produits chimiques. Vous voulez bien frapper le tuyau avec ça, s'il vous plaît ? Non, personne ne s'est emmêlé les pinceaux. Si Sébastien a tué Lionel Bell et Steve Bright à cause d'Imogen, alors imaginez ce qu'il va faire à l'homme qui va l'épouser. Et il le fera avec un vieux maillet avec mes empreintes digitales. Et ma carte de police va être découverte quelque part tout à côté du mort. Les produits chimiques. J'y suis allergique. Bon, dépêchons. Où est ce CD ? Il y a certaines photos dessus. De qui ? Barnaby et Marion Bell. Ah,
Je le savais. Non, non, je la connais celle-là, elle a été truquée. Non, non, allez-y, allez plus loin. Qui est-ce ? Elle travaille dans une boutique de diététique où j'achète mes steaks végétariens. Non, je comprends pas. Je l'ai payée. Elle croyait envoyer un télégramme baiser à Barnaby. Ensuite, j'ai suivi Philly quand elle est allée voir sa mère. Et j'ai pris quelques photos du couple. Et je les ai passées sur l'ordinateur de Nigel après. C'est vrai ? Pourquoi ? Continuez. Oh, elle est jolie. Imogène ? Oui. Ils trouveront tout ça sur votre ordinateur. Ils penseront que c'est pour ça que Barnaby vous a tué. Non ! Regardez-la. Vous voyez ? C'est ce que vous avez fait d'elle. Vous et tous les autres. Voilà en quoi vous l'avez transformée. Mais... C'est pour ça qu'elle ne veut pas de vous. Parce que vous êtes répugnant. Répugnant. Lâchez ça ! Lâchez ça ! Non ! Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Lionel Bell et Stephen Bright. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais cela pourrait nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas pendant votre interrogatoire quelque chose que vous utiliserez au procès. Est-ce que c'est clair ? Imogène. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Tout ce qu'elle aurait voulu. Parce que je l'aimais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je faisais seulement ce qu'elle voulait. Quoi, Imogène vous a demandé de tuer Lionel Bell et Steve White ? Oui, bien entendu. Elle vous l'a dit ? Je sais ce qu'elle pense. C'est ça, l'amour. Quelque chose que vous, vous ne pouvez pas comprendre. J'aurai des plats végétariens ? Oui. Steve. Et Lionel. C'était deux types à vomir. Ils ont abusé d'elle. Et vous aussi. Espèce de sale petite vermine, je... Vous aussi. Moi ? Et en quoi ai-je abusé d'Imogène ? Vous l'avez emmenée dans cet hôtel. J'ai un copain qui y travaille. Il m'a dit que vous veniez y retrouver Imogène. Moi ? J'ai amené Imogène dans un hôtel. Contre sa volonté, bien sûr. Interrogatoire interrompu à 11h33 par l'inspecteur Spellman. S'il vous plaît, je peux vous dire un mot. Voilà, le fait est que... Quand j'ai connu Imogène, j'étais encore marié. En théorie, bien sûr. Et nous avons dû être discrets. Nous sommes allés dîner au Golden Hind. Oui, un dîner un soir au Golden Hind. Et on a décidé d'y rester la nuit. On m'a demandé comment je m'appelais. Et j'ai dit Barnaby. J'ai trouvé ça drôle. J'avais un peu bu. Et puis ensuite, quand nous y sommes retournés... Vous savez quoi ? J'ai la tête qui tourne. Je crois que... D'après moi, le mariage va être repoussé. Techniquement parlant ? Exactement. Oh ! Est-ce que vous apprécieriez une machine à expresso ? Voilà.
reçu plusieurs offres. Sûrement, c'est une très belle maison. Je pars pour Londres. Je n'ai aucune raison de rester plus longtemps à Loxton Deeping. En fait, je suis impatiente de partir. Vous pourriez toujours venir habiter chez nous pour vous changer les idées. Merci, c'est très gentil. Oh non, c'est sur Noël. Chérie, tout va bien. Oui, maman, ça va. Vraiment, vraiment bien. Oui, ça va. Oh, mais je rêve, Tom Barnaby. Oh, je ne dois pas avoir l'air trop emballée de te revoir ou Preston va être jaloux. Preston? Je croyais qu'il s'appelait Igor. Oh non, chérie, Igor, c'est l'histoire ancienne. J'ai connu Preston en Californie, d'où j'arrive et où je vais bientôt retourner vivre. C'est génial, maman, c'est bien pour toi. Oh, vous, vous devez être Joyce. Je suis ravie de vous rencontrer. Tom, elle est absolument géniale, tu en as de la chance. Oui, j'en ai beaucoup. J'ai une idée, on va faire une photo. Ça ne vous ennuie pas, Joyce? Pas du tout, non. La famille qui a bien failli exister. Oh, ça ne vous ennuie pas que je dise ça, hein, Joyce? Pas du tout. Tom, il a l'air un peu plus joyeux. Oh, il a toujours été bougon, même étant jeune, hein, Tom? C'est pour ça que ça n'a pas pu marcher entre nous. On sourit. Cheers.